Coucou les filles, donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur mes achats que j'ai fait à Sephora quand il y avait moins 25% là il n'y a pas longtemps. Donc j'ai fait quelques achats parce que j'avais eu une grosse carte cadeau à Noël, donc voilà, j'en ai profité sachant que je suis gold chez Sephora, mais j'en suis venue à être gold parce que en fait en général quand j'allais à Sephora, j'avais une amie qui n'avait pas de carte Sephora et donc qui utilisait la mienne pour ses propres dépenses, ce qui veut dire que voilà, les deux achats cumulés, forcément ça m'a augmenté. Et un jour on me dit vous êtes gold, j'ai dit ah bah tant mieux, mais bon c'est vrai qu'il y a gold, je crois qu'il faut dépenser 1 500 € dans l'année et personnellement je pense que je les dépense pas du tout donc à mon avis je ne vais pas rester gold. Donc voilà, donc je vais vous présenter les achats que j'ai fait. Il y a des nouveautés, des trucs plus anciens qui m'ont tenté, donc voilà. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est le bain dissolvant express, le truc où on trempe le doigt dedans là, parce que quand je vais faire mes ongles, voilà, c'est comme ça, avec une éponge, quand je vais faire mes ongles sur Paris chez les Asiatiques, bah, au bout d'un moment avec la repousse, voilà, la repousse de mon vrai ongle et la résine en fait, voilà, parce que je l'ai fait en résine, c'est moche, donc au bout d'un moment il faut enlever le vernis que j'ai mis dessus. Donc je l'ai testé, il enlève tout, nickel, ça c'est sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'il est asséchant au niveau du doigt? On ressort, on a le doigt tout blanc, quoi. Jusque-là, parce qu'il faut tremper quand même le doigt. Jusque-là, j'étais toute blanche, toute sèche. J'ai dit, waouh, il est violent le truc. Donc, je suis pas sûre que je le rachèterais. Je me contenterais de mon petit dissolvant basique que j'avais acheté le plus bas prix, là. Qui faisait bien son boulot aussi, même s'il faut appuyer un peu plus. C'est un peu plus long, mais au moins, il assèche pas autant. Ensuite, chez Sephora, j'ai pris donc une nouveauté que j'ai beaucoup aimée, c'est le masque boue purifiant matifiant. Donc j'ai beaucoup aimé, je l'ai eu en échantillon dans un magazine, je me suis dit bah un masque matifiant c'est parfait pour moi, c'est tout ce que j'aime. Donc je vais tester, je l'ai testé et j'ai adoré. En fait ils appellent ça le dupe du Glam Glow. Franchement il est nickel ce masque, il est bien, on le pose, il est de la même couleur que le Glam Glow. On voit il est comme ça, allez, donc il est, c'est comme de l'argile quoi, c'est à l'argile de toute façon je crois. Ça sent bon, ouais, ça va, c'est bon, c'est une odeur de masque. On le pose, il sèche ultra rapidement, sincèrement il sèche super vite. Et quand on le retire, on a la peau toute douce, pas du tout sèche, ni rien. Franchement, je l'aime beaucoup. Je crois qu'il coûte 13 €, je crois, un truc comme ça. Et il est vraiment sympa, c'est un gros pot, donc franchement, bonne surprise et bonne découverte de Sephora. J'aime beaucoup ce masque, Mud Mask, ils appellent ça, purifiant et matifiant. La vendeuse m'a même fait tester sur la main un nouveau aussi apparemment, le oxygénant ou je sais pas quoi, qui serait en gel, après qui devient une mousse. Il avait l'air sympa celui-là, c'est un autre type de masque mais il avait l'air sympa. Ensuite je me suis repris bah, la poudre compacte que je me prends à chaque fois, matifiante de Sephora en teinte 25. Je me prends tout le temps la même. Je l'adore, enfin voilà, ça doit être la 25e que j'utilise, elle est parfaite, elle a un peu de couvrance. Est-ce qu'elle matifie vraiment toute la journée? Non, voilà, eux ils disent 8 heures, donc ouais, et encore je sais même pas si elle tient 8 heures, je suis pas sûre que ce soit vraiment 8 heures, mais bon. Et j'ai failli en tester une autre apparemment, la vendeuse m'a orientée vers une autre qui est Urban Decay, une poudre compacte dans un boîtier, je sais plus ce que c'est le nom de la poudre, mais j'ai touché, la texture était génial, elle était hyper douce. Je me suis dit la prochaine fois, parce que j'avais pas envie de faire des grosses dépenses non plus, j'ai déjà acheté pas mal, donc je me suis dit la prochaine fois je testerai la poudre Urban Decay. Elle m'a dit que c'était la poudre de riz, je sais plus c'est quoi son nom, je sais plus, bref. Ensuite, alors j'ai voulu tester, parce que j'en entends beaucoup parler sur YouTube, du fameux mascara volume de Chanel, dont toutes les youtubeuses sont folles, sont extraordinairement fans, etc. Donc je l'ai testé, je l'aime bien. Il est un petit peu chiant à démaquiller, il part pas nickel, mais ce n'est pas waouh. Pour moi, celui qui me fait waouh et que j'adore, c'est le mascara d'essence qui coûte 4 €, le violet. Celui-là, il est pas mal, mais ça fait pas celui d'essence. Donc je sais pas si mes cils ont un rapport particulier avec l'autre mascara, mais en tout cas, mes cils réagissent plus au mascara essence à 4 € qu'à celui-ci. Donc voilà, j'ai voulu le tester, c'est fait, hein. Ensuite, j'ai craqué, donc il m'intéressait vraiment le nouveau fond de teint Nars. Donc j'ai demandé à la vendeuse, je lui ai dit vous en pensez quoi, il est pour quel type de peau, nanana. Elle m'a dit c'est un fond de teint matifiant, donc faut absolument pas se fier au nom qui est All Day Luminous Weightless Foundation, machin.
C'est un fond de teint qui est matifiant, ça c'est la vérité. Il sèche, mais en 2 secondes quand vous l'appliquez, c'est un truc de dingue. Donc, elle m'a essayé 2 teintes sur le visage. Donc, elle m'avait essayé le Deauville et le Fiji. J'ai pris le Fiji. Sachant que le Deauville était vraiment ma teinte. Et limite, je regrette en fait de ne pas avoir pris le Deauville parce que je me suis dit, bon, l'été arrivant, je vais peut-être un peu bronzer, donc je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Sauf que le problème, je trouve, en tout cas, de celui que j'ai pris, je ne connais pas les autres, mais je le trouve quand même très jaune. Vraiment, dans ce fond de teint, je trouve qu'ils ont mis beaucoup de jaune. Je ne sais pas comment dire ça, mais quand on se l'applique, c'est quand même assez jaune. Donc, limite, on a tendance à avoir. Là, je l'ai mis aujourd'hui, mais bon, vu que je l'ai mis ce matin et qu'on est les 18h, je l'ai mis à 6h du matin. Donc, vous voyez, c'est plus, il se voit même plus, quoi. Bref. Ça a tendance, le Fiji, qui sera peut-être plus pour l'été, a tendance à faire une légère démarcation. J'aurais dû l'écouter et prendre le Deauville. Je pense que le Deauville aurait été parfait. J'aurais remis un peu de couleur grâce à ça. Bref. Mais c'est un fond de teint que j'aime bien. Après, si vous cherchez un rendu lumineux, etc., c'est pas du tout celui-là. Celui-là, il est vraiment mat, ultra mat. Ça brille, ouais, ça brille comme tous les autres au bout d'un certain moment. Je sais que voilà, le matin je vais rester nickel, mais l'après-midi ça va commencer à légèrement briller. Là on est 18h, on voit, j'ai pas retouché. Là j'ai tout le front qui brille, quoi, on le voit bien. Hein, enfin, je sais pas si on voit, mais mon doigt, c'est un peu dégueu ce que je fais, mais c'est pas grave. Voilà, je suis brillante, quoi. Voilà, là il est temps de se démaquiller, j'ai envie de te dire. On voit que là, voilà, tout. Il a bougé, quoi. On voit bien mes pores apparents, c'est plus la même chose que quand je l'ai mis ce matin. Mais je voulais tester un nouveau fond de teint, donc voilà, je l'ai testé, le nouveau NARS. Et à côté du nouveau fond de teint, il y avait une petite palette qui me faisait de l'œil. Sachant que chez NARS, c'était le premier produit que j'achetais, le fond de teint. On a eu dans une Birchbox, on a eu le petit orgasme que j'adore en blush, je le trouve magnifique. D'ailleurs, j'ai testé aussi au doigt là, le nouveau blush dont j'ai entendu parler sur YouTube, le fameux Reckless. J'ai envie de dire, ouais, pour moi, c'est pas un blush, quoi. C'est un truc blanc, pailleté, transparent. Je me suis dit, ah, ils vendent ça comme un blush. J'ai testé, c'est très joli, mais bon, il reste que du blanc et des paillettes, quoi. Donc je me suis dit, non, je vais pas m'acheter ça. Je sais même pas combien ça coûte, 30 euros, je pense, j'imagine, juste pour me foutre des paillettes, sachant qu'on a des highlighters. Enfin, moi, j'ai le BK de. Le BK là, Opal, qui est magnifique, qui fait son boulot, donc non, je me suis dit, je vais pas dépenser 30 euros pour un blush qui me fout des paillettes là, ça m'intéresse pas, et qui se voit même pas en plus. Donc bref, donc à côté en fait du fond de teint, il y avait une petite palette narcissiste, comme ça, avec le miroir. C'est la palette, parce qu'il y en a 50 des narcissistes, et celle-là c'est la blush, contour et lèvres. Palette joues, visage et lèvres. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait. J'ai trouvé ça très sympa. Donc là, c'est 3 blushs. Voilà, 3 blushs. Donc les noms des blushs, c'est Enrapture, Enthralled. Je vous dis avec un accent français le mot anglais. Et Roman Holiday. Voilà. Donc ça, c'est pour les 3 blushs du haut. Qui sont dans les teintes. Là, c'est un rose assez pétant. Là, ça serait un brique ou rose foncé avec des paillettes, et là ça serait plutôt un presque tirant vers le marron, mais ils sont très soft, ils sont très voilà. D'ailleurs, je crois que là, celui qu'on voit là, le restant, je crois que c'est celui que j'ai mis ici ce matin là. Voilà, de l'autre côté, il se voit quasiment plus, mais bon, là il y en a un petit restant. Bref, et dedans il y avait un petit gloss aussi, donc que j'ai testé et que j'aimais bien la couleur, je trouvais que c'était sympa. J'ai aucun gloss de chez NARS, j'entends parler du Turkish Delight depuis des années, mais moi j'avais jamais rien acheté. Il est là, donc vous voyez, il a un peu de rose quand même, il n'est pas totalement transparent. Il s'appelle Istria. Je l'ai cherché dans la gamme habituelle des gloss. Il n'existe pas, donc je pense que c'est une édition limitée à mon avis pour la palette, parce qu'il n'y est pas dans les gloss normales. Et en dessous des 3 blushs, donc je vais enlever le truc, nous avons le fameux Laguna pour le contour, que je n'avais jamais essayé, et le fameux highlighter Albatros, que je trouve magnifique, et que je n'avais jamais essayé non plus. Et c'est des formats assez généreux quand même, hein. Donc franchement, je me suis dit, quitte à tester NARS, que je n'avais absolument pas à la maison, autant que je teste gloss, blush, highlighter, et bon, après ça, moi j'allais dire, je suis pas du tout une personne qui fait du contour, je suis pas du tout dans la mode du contouring, tout ça. Je ne me contoure pas le visage, je n'ai pas le temps le matin quand je vais au boulot de me faire du contouring.
Voilà, donc le contour je laissais aux autres. Moi j'utiliserais ça, voilà, histoire de faire un bronzer, histoire de réchauffer un peu le teint, surtout en été. Parce qu'en hiver je me vois pas mettre une teinte aussi foncée. Mais je la trouvais super sympa cette petite palette, voilà. Qui coûtait 43 euros quand même, bien sûr, c'est pas donné, hein, c'est du NARS. Mais c'était une façon de tester des produits de la gamme NARS que je connaissais pas. Ensuite, pour vous parler de ce que j'ai sur les lèvres, alors c'est mon premier rouge à lèvres MAC que j'achète, parce que j'en ai jamais acheté jusqu'à maintenant, donc c'est le premier que j'ai acheté. Je l'ai acheté aux États-Unis, j'ai même pas cherché sur eBay, je crois. C'est le Fashion Revival, parce que j'avais entendu Sana parler du Fashion je sais pas quoi, sauf que moi j'arrivais pas à trouver celui qu'elle décrivait, j'ai trouvé celui-là, Fashion Revival. Donc c'est un lit de vin, un violet foncé, c'est ce que j'ai, même si je l'ai appliqué ce matin, donc il est vraiment passé. Quand on l'applique au début, il est un peu plus foncé. C'est en fait un mi-bordeaux, mi-violet. C'est ça que j'aime beaucoup parce que j'adore les violets. Donc voilà. Elle a parlé d'une autre teinte aussi qui me fait beaucoup d'effet et de l'œil. C'est le snob. Parce que je suis très dans les violets. Étant donné que j'ai les yeux verts. Comme vous pouvez le voir, j'ai les yeux verts. Donc il faut mettre beaucoup de violet en général, que ce soit sur les yeux ou sur la bouche. Donc je pense me laisser tenter par le snob. Et j'avoue que j'aime bien. Après, ils sont pas mal finalement les rouges à lèvres MAC. Jusqu'à maintenant, je voyais les stands. J'avais déjà swatché, mais je voyais pas l'intérêt. C'est vrai qu'ils sentent bon, ça va, ils sont corrects, le packaging est sympathique, des petits suppositoires. Et pourquoi pas, j'aime bien, je pense que je vais agrandir la collection. Ensuite, petite parenthèse sur mon voyage à Dubaï, parce qu'on m'a posé une question je sais plus, sur YouTube, voilà. Donc on m'a demandé ce que j'en avais pensé. Donc Dubaï, ma foi, c'est très sympathique. C'est original, c'est futuriste, c'est en construction, c'est pas fini, c'est-à-dire que c'est une ville qui n'est pas finie, c'est ça qui est un petit peu décevant quand on arrive là-bas, parce que autant il y a des buildings magnifiques, plein de lumière, ce que vous voulez le soir, c'est vraiment magnifique, autant de chaque côté où on regarde, il y a des grues de construction, donc on se dit, ah ouais d'accord, ça gâche un peu le paysage en fait. C'est une ville non qui n'est pas finie. Je pense que sincèrement, Dubaï, c'est une ville, c'est une destination à faire d'ici ouais, 10 ans, 15 ans, quoi, quand ils auront vraiment. Et encore s'ils s'arrêtent, je suis même pas sûre qu'ils s'arrêtent un jour de construire là-bas. Mais c'est pas une destination qui est à faire dans l'immédiat. Après, bah, j'ai pas bronzé parce que j'ai pas été assez souvent à la plage. Hein. Je n'y suis allée qu'une fois. Donc voilà. Et niveau shopping, je dirais que bah, les prix, déjà, pour parler des marques, il y a toutes les marques possibles et inimaginables. Précision, je ne parle pas des produits de beauté parce que là a été ma déception. J'ai été donc dans les deux plus gros centres commerciaux, le Mall of Emirates et le Mall Dubai Mall, je crois qu'il s'appelle, les deux plus gros en fait, qui sont immenses, ça c'est clair, ils sont immenses les centres commerciaux. Donc j'ai fait les deux Sephora bien évidemment. Et déception, il n'y avait absolument aucune marque américaine. Donc j'étais dégoûtée parce qu'ils ont exactement en fait les mêmes marques chez nous en France. Moi je m'attendais peut-être à trouver Bite, Hourglass, Ole Erickson, tous les trucs que j'aurais aimé trouver et qu'ils ont aux États-Unis et qu'on n'a pas. Et non, pas du tout, il n'y avait aucune marque américaine. Le seul truc qu'ils avaient en plus au Dubai Mall, c'est Gucci, donc la marque de maquillage Gucci, et la marque de maquillage Dolce Gabbana. Qui d'ailleurs me fait de l'œil, Dolce Gabbana, ils ont un fond de teint mat que j'aimerais beaucoup tester. Mais bon, je pense que j'irai le trouver à Printemps ou je sais pas où, aux Galeries Lafayette, je pense, dans des trucs comme ça. Parce que ça existe dans ces trucs-là sur Paris. Mais les tarifs étaient exorbitants. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus cher que la France, en tout cas au niveau du Sephora. Après, je vous cache pas que je suis pas rentrée dans les H&M, les Zara et compagnie, parce que pour moi, c'est des magasins qu'on a déjà ici. Donc, ça ne m'intéressait pas de faire une comparaison. J'ai juste vu qu'au niveau des produits de maquillage, c'était plus cher qu'en France. J'ai regardé par exemple le Estée Lauder. En France, on le paye 42 euros. Parce que c'est voilà, c'est un produit que j'ai à la maison, donc je sais combien je l'ai payé. Là-bas, il était à 60 euros. Donc il y a quand même ouais, une sacrée différence. Donc je me suis dit, si tout est comme ça, voilà quoi. C'est pas la peine de faire du shopping. Sachant que moi j'y allais pas non plus dans l'idée de faire du shopping parce que je sais que ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis, oui, ça vaut le coup d'aller faire du shopping, mais Dubaï, non, c'est un pays quand même qui a de l'argent, il y a de la richesse, il y a énormément de voitures magnifiques, ils ont des buildings neufs, flambants neufs, magnifiques, il y a des centres commerciaux, ils sentent le parfum quand on rentre, c'est propre, on pourrait manger par terre tellement c'est magnifique. Donc on sent quand même qu'il y a de l'argent, que c'est pas. Pour moi, c'est pas la ville où on va pour faire des affaires. Après. L'avantage comparé à la France, c'est qu'il y a eu beaucoup de marques que nous n'avons pas en France. Personnellement, j'ai découvert la marque
Moi, c'est une marque un peu onéreuse, hein. Ted Baker, que je connaissais pas du tout, mais ils font des fringues magnifiques. Je connaissais pas du tout cette marque. Mais bon, c'est genre la robe 130, enfin, c'est tout entre minimum 100 jusqu'à 200, quoi. Donc, personnellement, ouais, bon, j'ai pas les moyens, quoi, tout simplement. Faut dire les choses comme elles sont, hein. Je suis une simple fonctionnaire, je vis toute seule, donc j'ai pas énormément d'argent à dépenser tous les mois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y avait un magasin que j'aimais bien, qui était pas mal. C'est Nine West, donc c'est une marque américaine, dont Dolce Candy, on avait fait la pub, un truc comme ça, je crois. Il y avait des chaussures qui étaient sympas. J'avais vu une paire qui était pas mal, mais bon, pareil, la paire de chaussures, 75 euros, je crois. Je me suis dit, non, je ne suis pas partie en vacances pour m'acheter une paire de chaussures à 75 euros, même si c'est une marque que je ne retrouverai pas en France. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est. Voilà quoi. Donc voilà mon avis sur Dubaï. C'est sympa, c'est à voir, c'est à visiter. Moi j'ai été à Abu Dhabi, c'était magnifique. Dubaï, la plage est sympa. C'est pas l'extase, l'extase. C'est pas la plage des Caraïbes, ça c'est sûr que comparé à la République dominicaine qui était vraiment magnifique, Dubaï à côté, c'est pas aussi beau, mais c'est quand même sympa. Je pense que Dubaï, c'est une ville qu'on apprécie quand on a de l'argent. Voilà, parce qu'on peut se faire plaisir, parce qu'on peut se faire des super restos, parce que voilà, et chose que je n'ai pas fait. Donc, je ne suis pas très objective sur. Je parle pour moi de mon ressenti, de mon avis. Je pense que l'endroit vraiment où on peut vraiment faire du shopping et se faire plaisir, ça reste les États-Unis, je pense. Ce qui est censé être ma prochaine destination l'année prochaine. Si je mets assez de sous de côté, j'espère que je peux aller à Los Angeles. J'ai très envie d'aller du côté ouest, ouais, ouest des États-Unis. Donc bon, j'ai pas acheté grand-chose hein, à Dubaï. J'ai quand même trouvé Bath & Body Works, donc j'étais obligée quand même de ramener quelque chose de Bath & Body Works. Donc je me suis acheté pour la première fois, alors j'ai jamais acheté ça, c'est les savons désincrustants pour les mains. Alors j'en ai pris 4, il y en a un qui est dans ma salle de bain, c'est le Eucalyptus Menthe, qui a une odeur mi que j'aime pas, mi que j'aime en fait. C'est bizarre, je suis mitigée sur l'odeur. Ça me rappelle un peu les spas, tout ça. Donc bref, je me suis dit pour se laver les mains, ça passera tout seul. J'ai pris également le Sea Island Coton, qui sent bon, voilà, qui sent le propre. J'ai pris le Twilight Woods, que j'avais déjà eu en gel douce, donc je connais l'odeur, j'aime beaucoup. Et j'ai pris le Moroccan Fig et Honey, je pense que c'est une nouveauté, qui sent, ma foi, assez bon, j'aime bien l'odeur. C'est léger, c'est doux. C'est léger, c'est doux, c'est sympathique. Ça passe bien. Moi, ouais, franchement, j'aime beaucoup. Ça sent. Je crois que c'est ma préférée de toutes en fait. Je sais pas, il y a une odeur de miel. Je sais pas, j'aime beaucoup cette odeur en fait. Et j'ai pris également la bougie. J'étais obligée parce que c'est mon odeur favorite chez Bath & Body Works. La bougie Moon Pass. J'ai cherché, je voulais prendre toute la gamme. Je voulais me racheter le parfum, le gel douche, tout, tout, tout. Sauf que j'arrive et puis il me dit, désolé, c'est une gamme discontinuée chez nous. Alors que sur le site, elle y a toute la gamme. Donc j'étais dégoûtée qu'à Dubaï, il n'ait pas toute ma gamme Moon Pass. Parce que c'est ma préférée. Après, il y en avait d'autres, mais j'ai pas accroché aux nouvelles odeurs. Donc j'ai pris que la bougie. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Victoria's Secret, mais moi je ne suis pas du tout dans le délire Victoria's Secret. Mais pas du tout. Je ne sais pas. J'ai envie de limite vous dire, je ne sais pas en fait qu'est-ce qui vous plaît chez Victoria's Secret. Je parle au niveau des produits de beauté. La lingerie, tout ça, très, très belle, pas de problème. Des strass, des paillettes, c'est magnifique, mais ça coûte un bras. Donc voilà. Et alors les produits, je ne comprends pas, parce que pour moi, les parfums et compagnie, ça sent une odeur cheap. Ça sent les parfums du marché. Ça ressemble pas du tout à un parfum de Sephora. Je n'arrive pas à accrocher en fait avec les odeurs. Enfin, je sais pas, je suis pas fan plus que ça en fait de Victoria's Secret. J'ai déjà eu des cadeaux, des brumes et des trucs, mais je n'accroche pas. Voilà. Pour moi, une brume, un truc qui reste 1 heure et après ça sent plus, c'est pas. Donc bref, donc bon, j'ai quand même été faire un tour dedans, voilà, histoire de dire que j'ai été à Victoria's Secret, mais y a rien qui m'a emballé, donc je vais pas vous faire un haul sur Dubaï parce qu'il y a rien qui, voilà. J'ai rien ramené de spécial. À la base, j'y allais surtout pour visiter, j'allais pas pour faire du shopping à Dubaï. Donc ça a été fait, c'était sympathique, j'ai bien aimé. C'est à voir, c'est à découvrir, c'est très futuriste, c'est très américain, plein de buildings, tout ça. À côté, il y a le côté un peu plus palmier, religion, tout ça. Bref, c'est. La population aussi est surprenante. Je m'attendais pas à voir autant de. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'avais une idée en fait d'un pays. Arabe, c'est-à-dire avec des personnes arabes, comme on irait au Maroc ou en Tunisie. Et en fait, non, pas du tout. C'est une ville qui est
très multiculturelle et finalement il y a très peu d'Arabes vraiment et beaucoup d'Hindous et beaucoup d'Asiatiques en fait. La population elle était étonnante, je m'y attendais pas. Mais après c'est vrai que les pays proches sont l'Inde et puis l'Asie et tout ça. Enfin quand je dis l'Inde c'est Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, enfin tous ces pays. Et l'Asie pareil, Philippines, Indonésie, enfin je pense qu'il y avait toutes les nationalités mélangées. Et ouais, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à ça en fait. C'était un mix de populations, un peu comme à Toronto en fait. À Toronto, les gens s'imaginent peut-être pas, mais c'est une ville très très indienne et très asiatique, Toronto. C'est la même chose, c'est à peu près la même population en fait qu'à Dubaï. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous préciser ça. Et puis, bah de toute façon, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sur ma Birchbox, voilà, que j'attends. Bisous les filles!